Déjà, je vous remercie pour cette vitrine que vous m'offrez. Je suis François Lenoir, président de la dynamique des supporters de Coton Sport de Garoua et membre de la coordination des supporters. Et j'ai eu l'insigne honneur de représenter les supporters venus depuis le Cameroun, depuis Garoua, pour représenter tous les supporters du Cameroun et du club. Pour ce match qui est si capital et très important pour nous, parce que notre premier faux pas, nous l'avons fait à l'aller contre la même équipe GSK à Yaoundé, où nous avons été battus. Où nous avons été battus 2-1 contre GSK. Et cette année, même GSK nous a fait 3 mauvais scores. Disons, ils nous ont battu pas 3 fois. Et on est venu cette fois-ci avec une autre ferme détermination parce qu'il faut qu'on arrête ce signe indien et que nous éliminons GSK. Donc, nous sommes venus avec d'abord très motivés. Les joueurs sont très motivés. L'encadrement technique, on fait leur travail. Les dirigeants administratifs, on fait ce qu'ils avaient à faire. Donc tout dépend maintenant des acteurs, dont les joueurs. Et la forme, elle est totale parce que depuis hier que nous sommes là, tout est OK. Et je pense que cet après-midi, il va se passer quelque chose ici au stade. Ça veut dire que le grand Coton Sport de Garoua du Cameroun va se qualifier devant la GSK. Arrêtez ce signe indien parce qu'en une année, une équipe ne peut pas nous gagner autant de fois. C'est beaucoup, GSK. Vous avez déjà beaucoup gagné. Il faut que ça s'arrête ce soir. Ouais. Oui, en plus c'est le club le plus titré et en plus selon mes informations c'est le club le plus performant de l'heure en Algérie. Et Coton Sport est aussi le club le plus performant de l'heure au Cameroun. Donc c'est deux grands clubs qui vont se rencontrer et vous voyez, il s'agit là d'une finale. Une finale de la Confédération africaine de football. Une finale que le Coton Sport n'a pas encore eu l'insigne honneur de gagner. GSK vraiment cet après-midi on donnera tout ce qu'on a dans notre équipe pour se qualifier. Et les joueurs et tout le monde, c'est pour ça que je suis là, je suis venu du Cameroun, pour ça. Non, vraiment, je dis d'abord merci. Merci à toute la grande population algérienne, à mes frères, parce qu'ils sont mes frères, à mes frères pour tout ce qu'ils ont en train de faire pour nous. Regardez, en quelques temps, j'ai eu beaucoup de poids. Là, quand je vais rentrer, je ne serai même pas reconnu. Ma femme risque de dire, ah bon, t'es devenu vous. Donc, on a été très bien accueillis. Jusqu'à présent, on mange bien, on dort bien, on n'a pas encore eu de problème, on a sympathisé avec beaucoup des amis. J'ai eu beaucoup de contacts dans la ville, tellement de contacts. Je me sens bien ici, je suis chez moi ici. Et ça me fait tellement plaisir de le savoir comme ça. Et c'est la même chose, je cherche un ami, on était à Yaoundé ensemble. Il m'avait dit qu'il était le président du comité de soutien de GSK qui accompagnait l'équipe. Malheureusement, je n'ai pas pris son contact. On a tellement bien sympathisé à Yaoundé que je suis en train de le chercher. Parce que depuis que cela, je cherche, je ne sais pas comment faire pour le voir. C'est pour vous dire qu'on a bien sympathisé entre nous. On a même tellement bien sympathisé et que jusqu'aujourd'hui, nous sommes très bien sympathisés. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et bien des choses à tout le monde. Et que ce soit le meilleur gang. Merci. Et le meilleur, c'est Coton Sport. Pour le moment, c'est la GSK. Ah oui, non, le meilleur cet après-midi qui va se qualifier, c'est Coton Sport. Merci.